La capitale sénégalaise connaît une vague de fraîcheur. Pour parer à ce temps frileux, certains se tournent vers des produits cosmétiques tels que le beurre de karité. Réputé pour son efficacité pour la peau, c'est la marchandise vedette dans les marchés de Dakar. On en voit sur presque tous les étals. Le beurre de karité a de nombreuses vertus thérapeutiques. On l'utilise pour les premiers massages du nouveau-né. C'est aussi un médicament très efficace contre le rhume. Même s'il est commercialisé au Sénégal, le produit est importé des pays voisins comme le Mali ou le Burkina Faso. Les commerçants qui le vendent, en gros, proviennent aussi de ces pays, à l'instar d'Ismaïla. Ce dernier fait apparemment une bonne affaire. Ça, ce sont des karités qu'on a déjà traitées, parfumées. Déjà, vous voyez, vous pouvez sentir l'odeur, hein, vous voyez. C'est pas pareil avec ça, ça c'est uniquement pour les corps. Ça, il y a aloe vera, il y a citron, il y a tout, n'importe quoi. Il y a caliro, il y a cacao, ainsi de suite. Celui-là, là, nous, on les vend ici, les prix en gros, c'est à 900 qu'on les vend. Mais si c'est un, on les vend à 1000 francs. Les vertus du beurre de karité sur le corps et les cheveux sont reconnues par ses usagers. C'est le cas de Mohamed qui l'utilise pour diverses raisons. Le beurre de karité me sert d'huile de massage pour le corps. Je l'utilise après chaque exercice sportif. Ça m'aide à mieux dormir le soir. Et le matin, je me lave avec de l'eau chaude et je vague tranquillement à mes occupations. Connu pour ses propriétés hydratantes, réparatrices et assouplissantes, le beurre de karité est une huile végétale extraite du fruit de karité, un arbre qui ne pousse qu'en Afrique. Il est vivement recommandé par les dermatologues pour lutter contre le dessèchement de la peau causé par le froid.